j'espère que vous allez bien, c'est la déglingotime. Et ben quoi? On est 4? On a adopté une petite fille. On est 4? Oh non! On vous a pas dit Didi est enceinte depuis 6 mois? Non, plaisante. On est parti, aujourd'hui on vous emmène sur une petite partie de pêche à 3 quarts d'heure de Kuala Lumpur. On est avec nos amis français, espagnols, italiens, il y a tout le monde. On va attraper du poisson, on a déjà peut-être attrapé quelques-uns mais on va vous montrer ça. Et il y a la petite... Et on vous l'a pas présentée, c'est présenté. Rosalie. La petite Rosalie, elle est là. Oh, elle est un peu intimidée, c'est la première fois à la caméra. Mais non, elle a pas peur. C'est une vraie. Allez, on vous emmène. C'est parti pour une après-midi détente à la pêche. On fait des bisous. Bisous, bye bye. Bye bye. Bye. Voilà. On a le poisson, on a le poisson. Ah, il est beau celui-là. Bon, on va le relâcher. Hein. On va le remettre dans l'eau, Titi. Ok. Ah, bah il pique. Hein. Ah, tu vois? Non. Okay. Allez, attends. Allez, you want? Do it properly, hein? Sure? Ok, we do it together. Allez. Ah, ah, on est parti. Et oui, je l'ai chopé le poisson en live. Et ça, c'est bon. En tout cas, ce lieu est hyper agréable. Franchement, on passe un bon temps en famille avec les amis. C'est, si vous n'avez pas de matos de pêche, c'est pas grave. 15 ringgit, ils vous louent la canne pour la journée. Et ça, c'est top. Sinon, les appâts et la bouffe pour les poissons, c'est 7 ringgit, c'est-à-dire quasiment rien. Donc voilà, c'est vraiment un moment extraordinaire. On passe du bon temps, il fait pas trop chaud, parce qu'avec le soleil, il peut vite faire très très chaud. Et donc on y retourne, je vous emmène. Je pense que l'on va pêcher du lourd. Il y a encore un poisson? Il y a encore un poisson? Il y a du pro aujourd'hui ici. On n'est pas venu amuser la galerie. La déglingo team, team de pêche, c'est très très lourd. Thank you.
c'est big mouth. Wow. Oh. Wow. 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 Which one you want? Veronica, have you seen? I don't like it. En tout cas, la moisson est très très bonne. On est en train de vider l'étang littéralement. Alors, vous pouvez les gros poissons les récupérer, les prendre, les amener à faire écailler, nettoyer et les ramener à la maison, mais vous devez payer un peu. Sinon, les plus petits, vous pouvez simplement les relâcher. J'ai besoin d'une interview. Qu'est-ce qui se passe par ici? Aurait-on un problème d'appâtage? D'appâtage, oui. Il y a un problème d'appâtage. D'accord. Un problème d'appâtage? Oui, nous, c'est ça. Ouais, si on est gentil, on vous donnera un peu à manger. Mais on gagne des bonbons. Ah, les bonbons, c'est pour eux. Les bonbons, c'est pour eux. Un Patrick, un Patrick. Salut Patrick. La vraie, la seule. Salut Samuel. On se réveille. If you lose it now, it counts as a fish. Yeah, I have the picture. I have the picture. We can go for lunch. And it's not too bad. No, it's not too bad. Alors, fier? Très fier. Pas trop tôt quand même. Il est beau? You know, it's a little bit of Veronica because it's wet inside and it doesn't feel. Et voilà. En live, il vient de créer l'exploit devant la caméra. C'était pour vous ça. Alors maintenant, on va manger, on a faim quand même. Hey yesh la famille. Donc, après s'être bien éclaté, avoir pêché du poisson, on arrive sur le petit restaurant local au bord du lac où on va se manger probablement du poisson. Là, derrière moi, il y a le matériel de pêche qu'on a loué, vous vous rappelez. Et là, on va partir là-bas sur une table typiquement chinoise, des grandes tables rondes où on se fait passer les plats. Je vais vous montrer ça en live, car c'est vraiment très très typique de la culture chinoise. Du poisson, du riz, du tom yam, thaïlandais, malaisien. La liste des prix du poisson, on est sur du 1 euro les 100 grammes. Sauf pour le Ikan Arwan, le plus célèbre poisson du bassin, à quasiment 1,70€. Mais nous n'avons juste aucune idée de ce que c'est le Ikan Arwan. Ça vient de là? Ça vient de là-bas, mais ça vient du bassin. On rattrape la mort. On n'avait pas que moi. Moi j'aime tout, donc à chaque fois. Ça c'est les lemon chicken, ça c'est les kailan, ça c'est les squid, ça c'est le chicken padang, ça c'est le riz frit, ça c'est le poisson grillé à la cacahuète. Là-bas on a l'omelette. Gros problème, ils n'ont toujours pas ramené la bière, ça c'est un scandale. Petit passage très fun où on s'est plaint de la qualité des crevettes qui ne semblaient pas fraîches. Un peu, elle a un petit goût en bouche, donc on n'a pas mangé les crevettes. Donc on s'est un petit peu plaint à la patronne qui a dit qu'elle n'aurait rien compris du début à la fin, strictement rien. Et elle a dit ok, c'est bon, je peux nettoyer. Je fais non, on vous dit que les crevettes sont pas bonnes. Je fais ah ok, les crevettes sont pas bonnes. Je fais ok, vous voulez l'addition? Non, on vous dit que les crevettes sont pas bonnes. Donc, voilà, en, grosso modo en Malaisie, on peut parler anglais, mais on n'est pas sûr d'être compris. Et ça, c'est assez fun. Yesh la famille, c'était la déglingotime en direct du parc de pêche de Semini, 45 minutes de Kuala Lumpur. Vous avez vu, on a passé un excellent moment, on s'est éclaté, il a fait beau super toute la journée. En tout cas, c'était top. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire du quad. Ça, c'est pas mal. C'est pas très cher. Hein. C'est pour 30 minutes et genre 50 ringgit. Donc 10 euros pour 50 minutes, c'est vraiment super. Donc, c'était la Déglingo Team en direct.
On vous fait des bisous, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'oubliez pas un petit like, un petit partage. Hein, Titi, il faut partager les vidéos. Fais comme ça. C'est hyper important. Le petit like. Le pouce. Le petit pouce. Et voilà, on espère que vous avez kiffé. On fait des bisous, bye bye, à bientôt. Bye bye. Bye bye.